Nous sommes en train de parler Tokolobela sur les tombeaux et les pierres de famille. Tokolobela na tina ya bakunda pe mabanga ya mabota. Dans chaque famille, na mabota nyonso mo. Il y a des tombeaux. Yeba bakunda ezali. Invisibles. Oye mona la kalami so bo motote. C'est-à-dire des endroits. Eliko lo babisika d'oubli. Oyo ba bossa na rabato. Des endroits préparés. Bisiko ba bongisa penza. Pour garder ce qui nous appartient. Tu gagnes de l'argent. Oko simba moi misolo. Mais tu n'en jouis pas. Kasi misolo ngwa to simbi yango sepela kanu na yango te. Parce que cet argent passe par un panier troué et il va tomber dans le tombeau. Acclamez Jésus de Nazareth. Acclamez le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Accueille le Saint-Esprit. Pousse une clameur joyeuse. Pousse une clameur de bénédiction. Pousse une clameur de victoire. Gloire à Jésus. 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 Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maton de mille. Assieds-toi s'il te plaît. Fanda na bondelio. Assieds-toi s'il te plaît. Fanda na bondelio. Nous parlons sur Dieu donne des ordres. Et ces ordres parcourent toute la terre. Yango etambolaka mukili mubimba. Et cela nous a amené pe yango wane memaki biso à comprendre et à dire ya kososola pe koloba que chaque enfant de Dieu était mwana na nzambe nyonso doit devenir donneur. Et Sengeli nae akoma ne pimelo oyo ya kopesa mitindo. Deviens donneur d'ordre. Koma mopesi mitindo. Ne te tais plus devant des situations. Kofanda lisusu kimia te. Perdu, si difficile soit-elle, ne te tais plus. Liboso ya mabaku oyo ezo umela, mabaku abakokoso liboso bomoi na yo kofanda kimia te kasi tele mapesa mitindo. Petika tika nguya ya bobendi na kombo na Yesu esala mosala na yango. Tant que tu n'as pas donné le moindre ordre, wana yo opesi mitindo te, ne t'attends à rien. Causez la paix au côté. Parle. Yoloba. En donnant des ordres. Nako pesaka mitindo. Et celui qui donne des ordres. Pe moto apesaka mitindo. Doit croire. Et sengeli na ye andima. Que ce qu'il a dit. Ete mae oyo ya lobi oya tatoli. C'est ce qui va lui arriver. Yangonde kokomela ye. Il ne faut plus qu'il y ait une ligne de démarcation entre tes ordres et tes attentes. Et sengelite bokesenye zala na maye oyo ko pesa lokola mitindo na biloko ozozela ozwa. Je voudrais répéter ces choses. Na lingina bandela yango malam. Nous devons tout faire. Et sengeli na moko ko sala nyonso pour éviter pona koboya qu'il n'ait une ligne de démarcation. Ete bo keseni ezala qui n'aie un fossé libulu moko ezala na katikati entre nos ordres donnés na mitindo to ko pesa et nos attentes pe na biloko to makambo biso to ko zela ko zwa. Quand nous donnons un ordre, tango to ko pesa ka mitindo balingani, nous devons avoir la certitude et sengeli to zala neti ndia qu'il y aura un résultat. Et si ma mitine wana ya normala mwekozala. Nous avons demandé. Pwete biso to sengi. Nous avons ordonné. Biso to pesa mitindo. Oyo to peseli mitindo ndeko koma.
ne donne plus accès au diable. Qui te fera croire des choses jusqu'à te dire comment cela va-t-il se produire. Qui t'a dit que cela arrivera tel que tu le demandes, tel que tu le souhaites. Nous donnons des ordres par le nom de Jésus-Christ. Le nom au-dessus de tout nom. Et les ordres que nous donnons sont adressés au nom, à certains noms qui nous font la guerre. Oh, nous avons un nom au-dessus de tous ces noms. C'est par le nom de Jésus que nous donnons des ordres. Et chacun de nous, en le faisant, doit demeurer confiant. Et croire que ce qu'il a dit, c'est ce qui va lui arriver. Nous donnons des ordres parce que nous avons la parole, la parole de Dieu. La parole créatrice et salvatrice, comme nous aimons à le dire ici. Nous avons cette parole qui était au commencement. Et donc, c'est cette parole que nous avons qui a autorité sur toutes autres paroles. Dieu a mis sa parole dans la bouche d'un ange. L'ange est allé annoncer à Zacharie que sa femme allait avoir un enfant. Mais quand l'ange s'est rendu compte que Zacharie voulait discuter avec lui, il a frappé de mutisme. Pourquoi? Parce que l'ange savait que l'autorité de la parole de Dieu n'appelle ni censure, ni négociation, ni discussion. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Bien-aimé, ne doutez plus. Ton problème maintenant consiste à apprendre, à donner des ordres. Et donne ces ordres en conformité à la parole de Dieu. Ne donne pas des ordres qui iraient dans le sens d'en vouloir à la vie d'une personne. Non. Tes ordres doivent être conformes à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Jean 11, verset 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Quelle différence y a-t-il entre le fait que Jésus soit là
ou qui ne soit pas là. Physiquement. Quelle différence y a-t-il entre le fait que Jésus soit physiquement là ou qu'il ne soit pas physiquement là? Si tu avais été ici, si tu avais été ici, mais la personne au sujet de qui tu parles est là. Donc, pour Marthe, elle ne voyait pas la capacité infinie de Jésus à opérer. Même quand tout espoir est perdu, Marthe n'avait pas les yeux fixés sur Jésus. Elle avait les yeux fixés sur ce qui leur est arrivé. Marthe n'avait pas les yeux fixés sur Jésus. Elle avait ses yeux fixés sur son frère qui est mort et qui était en train de sentir mauvais. Souvent, bien-aimés, plutôt que d'avoir nos regards tournés vers Jésus, nous avons nos regards tournés vers ce qui nous arrive. Est-ce que tu comprends ces choses? Apprends à partir d'aujourd'hui que quelle que soit la gravité de la situation qui t'est arrivée, quelle que soit la gravité de la maladie, quelle que soit la gravité de ce problème, apprends à avoir tes yeux fixés non pas sur le problème, mais sur celui qui transforme les problèmes en solutions. Parce que c'est ça sa mission. Jésus est venu sur la terre parce qu'il y avait des problèmes. Jésus n'est pas venu sur la terre parce qu'il n'y avait pas de problème. Il est venu sur la terre parce qu'il y avait des problèmes dans ce monde. Et donc, il est venu comme la solution idéale dont le monde avait besoin. Est-ce que tu comprends ces choses? Apprends, quoi qu'il arrive, même si tout espoir est perdu, apprends, bien-aimé, à avoir tes yeux, ton regard tourné vers Jésus plutôt que vers ton problème, ta situation. Marthe dit, si tu avais été ici, si tu avais été ici, alléluia, mon frère ne serait pas mort. Cependant, même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Autrement dit, ce qui était perdu, tu le retrouveras. Ce qui était perdu, tu le retrouveras. Jésus dit à quelqu'un ce matin que cette situation, cette position-là, sociale que tu as perdue, cette vie-là que tu menais, que tu as perdue, tu la retrouveras. Tu la retrouveras. Oh, je parle à quelqu'un. Tu retrouveras cette position sociale. Tu retrouveras cette vie-là que tu avais menée. Tu la retrouveras. Alléluia. Amen. Je sais, lui répondit Marthe.
Malata, ayanoli Yesu na koloba na yebi. Qui ressuscitera lors de la résurrection? Iyo, akose kwa na ye kasina mokolo na suka. Le dernier jour. Mokolo na suka. Jésus lui dit. Yesu ayanoli na koloba na yebi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Et non quelqu'un d'autre. C'est moi. C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Celui qui croit en moi vivra. Celui qui croit en moi vivra. Même s'il meurt. Alléluia. Amen. Il dit, si tu avais été là. Si tu avais été là. Mon frère ne serait pas mort. Jésus dit, ton frère ressuscitera. Si Caïs a une année la colobate, ne connaît pas ce quoi. Marthe le renvoie. Malata. Le renvoie à une autre époque. Amémie si Caïs est comme sous-soi et koyaka. Elle dit, il ressuscitera certes, mais lors de la résurrection, le dernier jour. Et Jésus lui dit, c'est moi qui suis. La résurrection et la vie. Je parle à quelqu'un maintenant. C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Bien-aimés, comprenons ces choses. Ce problème est là. Si tu veux savoir comment ce problème va avoir un autre dénouement, comment ce problème va trouver la solution que tu attends? Il faut faire intervenir le seul personnage de la Bible qui pouvait dire c'est moi. Il faut faire intervenir dans cette situation le seul personnage de la Bible qui devant les difficultés, qui devant les problèmes pouvait dire c'est moi qui suis la résurrection et la vie, c'est moi. C'est moi. Je t'invite à méditer sur ça. Médite sur ça. Face à cette situation-là. Médite sur ça. Face à ton avenir incertain. Médite sur ça. Face à ces portes qui sont fermées. Médite sur cette portion de la parole de Dieu. Face à tous ces moqueurs. Face à tous ceux qui en veulent à ta carrière, à ta position sociale, à ta vie. Ah, je ne sais quoi. Médite sur ça. Il dit c'est moi. Il ne dit pas c'est nous. Il dit c'est moi. C'est moi. Et personne ne pouvait dire le contraire. Quand Jésus a dit que c'est moi qui suis la résurrection et la vie, personne d'autre ne peut plus ouvrir sa bouche. C'est moi signifie la cessation de toute hostilité, la cessation de toute situation mauvaise. C'est moi signifie l'avènement d'une nouvelle époque. Quand tous les jours tu entends c'est moi qui suis la résurrection et la vie, il y a espoir pour toi bien-aimé, il y a un espoir pour ton avenir, il y a un espoir pour tes projets, il y a un espoir pour ton travail, il y a un espoir. Alléluia. Amen. Ézéchiel 37. Ézéchiel est tuku misatona sambo. Verset 3. Il m'a dit. Alobaki nangai. Fils de l'homme. Mwana na moto. Ces eaux pourront-ils revivre? Mikua oyo ekoki solo kozonga susu na bomoi. J'ai répondu. Ngai na yanoli. Seigneur éternel. Yahweh. C'est toi qui le sais. Yondo yebi nyonso. Bien-aimé,
C'est le prophète Ézéchiel qui parle ici. Dieu lui posa une question. Face à une situation chanellement impossible. Ces eaux desséchées pourront-ils revivre? Ces eaux desséchées sans veines, sans chair pourront-ils revivre? Alléluia. Amen. Il a répondu, Seigneur, tu le sais. Seigneur, tu le sais. Autrement dit, il ne le savait pas. Lui, prophète, ne le savait pas. Il dit, tu le sais. Je ne peux pas me prononcer sur ça, mais toi, tu le sais. Aujourd'hui, bien-aimé, nous qui comprenons ces choses, nous n'avons plus besoin de répondre comme ce prophète de l'Ancien Testament. Cette situation pourra-t-elle s'arranger? Oui, Seigneur, parce que tu es la résurrection et la vie. Le prophète n'avait pas cette révélation. Le prophète savait que Dieu pouvait faire des choses. Mais il ne savait pas que Jésus-Christ était la résurrection et la vie. Alléluia. Toi, tu le sais. Cette situation peut-elle changer? Oui, Seigneur. Parce que tu es la résurrection et la vie. Dieu a besoin de notre confession. Dieu a besoin de notre déclaration. Notre déclaration de foi. Dieu a besoin de savoir comment tu regardes des situations qui sont devant toi. Tu les regardes comment? Comment examines-tu ce qui est devant toi? Dieu veut savoir. Il le sait. Parce qu'il est celui qui sonde les cœurs et les reins. Bien-aimé, je suis venu te dire, deviens donneur d'ordre. Deviens donneur d'ordre. Même si cette situation perdure, même si elle date d'il y a des siècles, n'oublie pas, bien-aimé, que Dieu nous a suscité pour devenir des donneurs d'ordre. Rentrons dans Jean 11, verset 38. Jésus de nouveau, profondément indigné, se rendit au tombeau. C'était une grotte. Une pierre fermait l'entrée. Jésus dit, enlevez la pierre. Verset 43. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Lazare sort. Et le mort sortit. Les pieds et les mains attachés par des bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, détachez-le et laissez-le s'en aller. Acclame la parole du Seigneur des Seigneurs. Acclame la parole du Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Amen. Regarde ce récit, bien-aimé, et médite-le.
Pekenda maniola yango. Nous sommes en train de parler Tokolobela sur les tombeaux et les pierres de famille. Tokolobela na tina ya bakunda pe mabanga ya mabota. Dans chaque famille, na mabota nyonso il y a des tombeaux. Yeba bakunda ezali invisibles. Oh, emona la kala miso bo motote. C'est-à-dire des endroits. Elikoloba bisika d'oubli. Oyo ba bosana ka bato. Des endroits préparé bisiko ba bongisa penza pour garder ce qui nous appartient. Bona ko bomba biloko bozui des endroits préparés pour nous empêcher bisika oyo bongisa ba pona ko de la bénédiction divine. Bona ko pekisa biso to sepela na lipambo na Nzambe na mabota ya Shivalinga bakunda ezali des tombeaux invisibles. Bakunda au spirituel. Dans chaque famille, il y a aussi des pierres. Et ça lit bien à ma invisible. Chaque fois que tu vas chercher à relever ta tête, la pierre te rappelle à l'ordre. Il y a des pierres invisibles. Dans chaque famille, il y a des tombeaux. Il y a des tombeaux de malédiction. Il y a des pierres de malédiction. Il y a des tombeaux de maladie. Il y a des pierres de maladie. Dans chaque famille, il y a des tombeaux bien-aimés. Il y a des tombeaux de pauvreté. Il y a des tombeaux de blocage. Il y a des tombeaux d'échec. On est appelé tous à échouer dans cette famille-là parce qu'il y a un tombeau qui a été préparé, parce qu'il y a des pierres qui ont fermé ce qui nous appartient, des pierres qui nous privent d'avoir accès à ce qui nous appartient. Bien-aimé, grâce soit rendue à Dieu qui nous a envoyé son Fils unique. Grâce soit rendue à Dieu qui nous a envoyé son Fils unique. Parce que c'est la seule personne qui est capable de mettre fin, de désaffecter ces tombeaux-là, de détruire ces tombeaux-là, de déplacer ces pierres-là. Et cette personne s'appelle Jésus de Nazareth. Seul Jésus de Nazareth est capable, bien-aimé, oui, bien-aimé, de désaffecter, de désaffecter ce tombeau. Où les gens venaient pour pleurer, où les gens venaient pour pleurer. Ce tombeau sera transformé en un jardin. Les gens viendront pour cueillir de fruits et en abondance. Il n'y a que Jésus-Christ pour faire ces choses. Nous sommes nés de nouveau pour comprendre que les tombeaux invisibles de nos familles peuvent changer de figure, peuvent devenir des jardins. Des jardins où chacun de nous pourra se rendre et cueillir le fruit dont il a besoin pendant son séjour terrestre. Il y a des tombeaux bien-aimés. Il y a des tombeaux. Il y a des pierres. Quel est le tombeau de ta famille? Comment s'appelle le tombeau de ta famille? Quel est le nom du tombeau de ta famille? Tout le monde développe la même maladie. La même maladie. Tout le monde. Tout le monde développe la même maladie. Il y a un tombeau. Parce que la maladie doit les conduire à une mort certaine. Et quand les gens vont essayer tout
Ce qui peuvent essayer afin de sortir de cette maladie, la pierre est là pour les empêcher de sortir de cette situation-là. Regarde toi-même ta famille. Regarde ceux qui ne voient pas dans ta famille. C'est qu'il y a un tombeau. Il y a un tombeau. Le sang de Jésus a coulé sur la croix pour combler tous les tombeaux. Combler tous les tombeaux. Oui, le sang de Jésus a coulé pour mettre fin à l'existence de tout tombeau. À partir d'aujourd'hui, fais appel au sang de Jésus. Fais appel à la pluie du sang de Jésus. Remplis tous ces tombeaux-là et donne des ordres. Donne des ordres à ces pierres-là. Donne des ordres, bien-aimés, par le nom de Jésus, en te servant de la parole de Jésus, en comptant sur la présence de Jésus, en le faisant avec foi, bien-aimés. Donne des ordres. Donne des ordres. Il y a des tombeaux bien-aimés. Il n'est pas normal que dans une famille, tout le monde ait la même situation élogieuse. Les mêmes problèmes. Tu appelles un tel, il te dit non, je développe telle situation. Tu appelles un autre, il te dit non, moi j'ai tel problème. Ah, moi aussi j'ai ce problème. Vous formez une association de gens à problème. Ce n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Ce n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Quand le Fils nous rend libres, nous devenons réellement libres. Je suis venu dire à quelqu'un que celui qui s'appelle la résurrection et la vie t'a rendu libre. Libre de tous ces tombeaux-là. Libre de tous ces tombeaux-là. Libre de toutes ces pierres-là. Crois-le, bien-aimé. Crois-le, bien-aimé. Déclare que tu es libre. Déclare que tu es libre. Déclare que tu es libre. Libre de tous ces tombeaux-là. De leur influence. Tu es libre de toutes ces pierres-là. Invisible. Tu es libre. En Jésus-Christ, je suis libre. En Jésus-Christ, je suis libre. En Jésus-Christ, je suis libre. Est-ce que tu comprends ces choses? Si tu comprends ces choses, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Ce sont des tombeaux. Tu gagnes de l'argent. Mais tu n'en jouis pas. Parce que cet argent passe par un panier troué et il va tomber dans le tombeau. Et puisqu'il est tombé dans ce tombeau-là, la pierre invisible vient fermer. La pierre invisible vient fermer. Et puis tu te demandes, mais j'ai eu de l'argent. Mais quel est cet esprit-là qui m'a poussé à dilapider cet argent-là? Qu'est-ce que j'ai fait de cet argent? J'ai fait quoi? C'est la loi du tombeau. La loi du tombeau est telle que tous ceux-là qui ne recourent pas à Jésus-Christ voient leur possession enfermée dans le tombeau par des pierres invisibles. Ça, c'est la loi du tombeau. Tu perçois, mais tu n'en jouis pas.
tu perçois, mais tu ne peux rien faire. Tu perçois, mais tu ne laisses aucune trace. Tu ne laisses aucune trace. Bien-aimé. La loi du tombeau t'attire et te pousse à dépenser tout ce que tu as et à des fins qui ne va pas t'honorer, à des fins qui ne vont pas t'honorer. Est-ce que tu comprends ces choses? La loi du tombeau. Maintenant, en donnant des ordres, tu appliqueras à ce tombeau-là, à la loi du tombeau, une autre loi qui est la loi de la résurrection. Des ordres te permettront d'appliquer la loi de la résurrection à tout tombeau existant dans ta famille. Est-ce que tu comprends ça? La loi du tombeau, c'est la loi de la mort. La loi de la résurrection, c'est la loi de l'esprit et de vie. Est-ce que tu comprends ces choses, bien-aimé? Oui, la loi du tombeau doit maintenant être abrogé à partir de ce jour. Il faut l'abroger, bien-aimé. Par le nom de Jésus-Christ, ne te sers plus d'un autre nom. Ne te sers plus d'un autre nom. Tu viens dans la maison de Dieu, on t'a donné des prières à faire. Comme quoi il faut invoquer un tel saint. Quel saint tu vas invoquer dont le nom est supérieur à celui de Jésus? Il n'y a qu'un seul nom, bien-aimé. On ne te trompe pas, bien-aimé. Il n'y a qu'un seul nom. C'est le nom de Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus-Christ. Et Dieu lui-même s'est engagé là-dessus. Dieu s'est engagé là-dessus. Il y a une promesse liée à ce nom-là. Comme quoi? Celui qui croit, celui qui croit à ce nom-là sera sauvé. Celui qui invoquera ce nom-là ne sera plus dans la confusion. Invoque un seul nom, c'est le nom de Jésus-Christ. N'invoque plus d'autres noms. Si jusque-là tu invoquais d'autres noms, quand tu rentres chez toi, répands-toi. Répands-toi. Demande à Dieu de te pardonner. Dis-lui, Seigneur, j'ai eu invoqué d'autres noms par ignorance. Mais maintenant, je sais en qui j'écris. Mais maintenant, je sais quel nom je dois invoquer. Mais maintenant, je sais vers quel nom je dois me retourner. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Oui, bien-aimé. Jésus est arrivé au tombeau de Lazare. Lui, la pierre de l'angle. Lui, la pierre de l'angle. Oh, que quelqu'un dise, je veux vivre en m'appuyant sur cette pierre. Je veux vivre en m'appuyant sur cette pierre. Je veux vivre en m'appuyant sur cette pierre. Acclamez Jésus. Esaïe 28, verset 16. À cause de cela, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je mets dans Sion
Je mets dans Sion en guise de fondation une pierre choisie, angulaire, précieuse, solidement posée. Solidement posée. Celui qui s'appuie sur elle sera en sécurité. Celui qui s'appuie sur elle sera en sécurité. Une pierre solidement posée. Pour que tu comprennes que toute autre pierre invisible utilisée par le diable dans ta famille n'est pas aussi solidement posée que celle dont nous parlons ici. Le Seigneur dit une pierre solidement posée. Solidement posée. Que personne ne peut déplacer. Mais qui a le pouvoir de déplacer d'autres pierres. Solidement posée. Pour déplacer toutes autres pierres. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Cette pierre d'échec, de pauvreté, de maladie, cette pierre-là, invisible dans ta famille, qui a fermé toutes les bénédictions de ta famille, est déplaçable. Est déplaçable. Il suffit seulement que tu donnes des ordres. Donne des ordres. Jésus a donné quatre ordres. Il a donné quatre ordres. Il a dit enlevez. Enlevez cette pierre. Moi, Pierre, solidement posé, j'ordonne que vous enleviez cette pierre, quoique invisible, mais déplaçable. Enlevez-la. Les gens l'ont regardé. Mais qu'est-ce qu'il va enlever là? Quand tu entends le Seigneur te parler, fais taire le doute. Fais taire l'incrédulité. Fais taire la peur. Il y a des choses que tu dois faire taire. Lorsque le Seigneur a parlé. Lorsque le Seigneur a parlé, considère que la chose est déjà acquise. Il a dit enlevez la pierre. Enlevez la pierre. Il n'a pas voulu toucher à ça. Vous qui avez donné de l'importance à cette pierre, enlevez-la. Moi, je ne la touche pas. Enlevez-la sur ma parole. Enlevez-la. Et il a dit, deuxième ordre, Lazare, sors. Il a parlé à un mort comme s'il était déjà vivant. Il appelait Lazare. Il savait que le tombeau entendait sa voix. Il savait que le mort entendait sa voix. Il savait que le monde des ténèbres entendait sa voix. Il savait que le diable qui se tient derrière la mort entendait sa voix. Il dit sors. Il n'a pas demandé, Lazare, est-ce que tu peux sortir? Il a dit, sors! Sors! Est-ce que tu comprends? C'est la même parole. Qui était lors de la création. Il y avait le chaos partout. Dieu n'a pas demandé aux ténèbres si elles pouvaient s'en aller. Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et les ténèbres s'éloignaient. Lazare sort. Est-ce que tu comprends ces choses? Si tu comprends ces choses, acclame le Seigneur.
Acclamez le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Amen. Et il a dit troisième ordre. Détachez-le. Abi, bofongola ye. Ce jour-là, ils avaient du travail. Mokola bela zayi na mosala kosala. Ils avaient du travail. Azaki bela na mosala ya kosala. Sa famille avait du travail. Libota ne pesa ki na mosala. Il dit, ce n'est pas moi qui l'ai attaché. Alobi ngai te moto. C'est pas moi qui l'ai lié. Ngai te moto. C'est vous qui l'avez attaché, lié. Alors détachez-le. Allez, bino moko bokena bofongola ye. Détachez-le. Bofongola ye. Quatrième ordre, Yamine. Laissez-le. Botika yesika. Laissez-le. Botika ye akenda. Laissez-le s'en aller. Akenda. Laissez-le s'en aller. Botika yakenda. S'en aller où? Akenda wapi? S'en aller. Laissez-le s'en aller. Botika yakenda. Bien-aimé. Balingami. Chaque mot de la parole de Dieu a un sens, une signification, une valeur. L'ilobanio sur la Biblia, eza natina peza nambano na yango. Il dit qu'il devait aller. Alobi esengeli akenda. Esengeli akenda. Esa ki motino. Qu'il a donné à l'église. Oh ya pesa l'église. Le premier ordre. Motino nous sommes dans Matthieu. Tozali na Matthieu. 28 verset. Dukumi balena mwambi molongo. C'est le premier ordre. Il a dit allez. Abi bakenda. Allez. Bokenda. Avant de dire fête des nations, des disciples, non, il a dit allez. Allez. Et là, il ne se contredisait mais pas. Allez, laissez-le. Laissez-le s'en aller. Faire connaître aux incrédules. Akenda koyebi sabata mitemenkenze. Faire connaître aux incrédules. Akenda koyebi sabata mitemenkenze. Ma puissance est d'attraction. Oya bobenda. J'attire même les morts à la vie. Benda kataka j'attire les morts à la vie. Benda laissez-le, laissez-le. Laissez-le s'en aller. Akenda. Faire connaître ma puissance est d'attraction. Ma puissance est d'attraction. Lié à mon nom. Oye zana kombo nangai. Alléluia. Amen. Et quand le Seigneur nous a demandé d'aller dans Matthieu 28, verset 19, allez faire connaître à tous ces grands noms-là qui prétendent régner dans ce monde. Que seul mon nom, seul mon nom a une puissance infinie d'attraction. Que seul mon nom attire les morts à la vie. Attire les riches, les grands, les gens de mauvaise vie au salut. Et seul mon nom attire même les maladies redoutables, les maladies incurables. Mon nom, de par sa puissance, attire tous ces noms de maladies à la guérison. Laissez-le s'en aller. Alléluia. Amen. Acclamez Jésus. Bétela Yesu maboko. Acclamez Jésus. Bétela Yesu maboko. Acclamez Jésus. Bétela Yesu maboko. Nous voyons le Seigneur Jésus ici. Donc comment on colo Yesu? Non pas comme un arracheur de dents. Le col a été mais comme un arracheur de. Le col a monté pour vous olamino. De vie bien aimé. La vie a été fermée dans un tombeau. Et les gens ne voyaient plus que la mort. Mais lui, quand il est arrivé, il a arraché cette vie-là. Quoi que morte, quoi que en décomposition, il a arraché ça. Alléluia. Amen. Deux rois. Nakosu kisawa. Mokana mibale ya bakonzi. Chapitre 6. Molongo na. Verset 1. Les membres de la communauté des prophètes dirent à Élisée, l'endroit où nous nous tenons assis devant toi bisika otofandi awa liboso na yo est trop petit pour nous. Eza moke pona biso. Allons jusqu'au Jourdain. Nous y prendrons chacun une poutre et nous nous y ferons un lieu de réunion. Élisée répondit, allez-y. Élisée, c'est une autre figure de Christ.
Elisa azali lolenge mosusu elongi mosusu ya Christo. Dit allez-y. Alobi, c'est le même vocabulaire. Kaka, allez-y. L'un d'eux dit accepte de venir avec tes serviteurs. Il répondit je vais venir. Alobi, iyo, nako yana bide. Il partit donc avec eux. Sika bake, longo na bango. Arrivé au Jourdain, bakomi kuna na Yuldea. Ils coupèrent du bois. Bakomi ko kata sika banzete. Alors que l'un d'eux abattait une poutre, sika moko na bango one ko kata nzete moko le mwene. Fer de sa hache tomba dans l'eau. Peli bende e pasola na ye ekweyi na mai. Il s'écria agangi, ah mon Seigneur, nkolo na ngai. Je l'avais emprunté. Na defaki yango kutu ko defa moto. L'homme de Dieu moto na nzambe demanda où est-il tombé? Jésus pouvait demander à la famille de Lazare où l'avez-vous mis? Et ici, cette autre figure de Jésus voulait savoir où est-il tombé? Il lui montra l'endroit. Alors Élisée coupa un morceau de bois. Il coupa un morceau de bois. Le jeta à la même place. Et fit ainsi surnager le fer. Puis il dit, prends-le. Il tendit la main et le prit. Je suis venu te dire une chose. De la même manière que Jésus pouvait dire à la famille de Lazare, détachez-le. Laissez-le s'en aller. En d'autres termes, prenez-le. De la même manière, quelques siècles auparavant, un homme de Dieu avait fait la même chose. Il a dit, prends-le. Prends-le. Et la Bible dit, il le prit. Devient donneur d'ordre signifie prendre ce qui était perdu. Prends ce qui était perdu. Amen. Chaque fois que tu donneras un ordre, c'est pour prendre ce qui t'appartenait. C'est pour prendre ce qui t'appartenait. Prends, bien-aimé. Donne un ordre et prends. Je parle à quelqu'un. Donne un ordre et prends. Donne un ordre et prends. Oui, bien-aimé. Lazare est sorti du tombeau. Lazare a bimé la kunda. Il a été tiré du tombeau. Il a été arraché par la puissance de la parole de vie sortie de la bouche de Jésus-Christ. Mais ici, il y a quelque chose. Élisée coupa un morceau de bois. Ce morceau de bois annonçait la crucifixion de Jésus-Christ. Oui, il a coupé un morceau de bois qui annonçait la crucifixion de Jésus-Christ. C'est sur la croix que Jésus a dit que tout est accompli. Et Élisée savait sans voir encore ces choses. Mais il ne savait pas révélation qu'en faisant ces choses poussées par l'Esprit de Dieu, ce qui était perdu serait retrouvé. La croix de Jésus-Christ nous aide à retrouver ce que nous avons perdu. Alors, ne t'étais plus, continue à donner des ordres par la foi en Jésus-Christ. Si tu as été béni, acclame le Seigneur des Seigneurs. Colonna ma colonna ma bocco.